Francky, bonsoir. Bonsoir, oui. Comment ça va? Ben, jusqu'à nouvel ordre du médecin traitant, tout va bien. Tout roule? Oui. Il y a écrit Francky Vincent sur ta veste. Ouais. Si ça, c'est pas la classe... Mais sur mon slip aussi. Hein. Sur ton slip aussi? Oui. Je peux voir? Non. Tu viens nous voir ce soir pour nous parler de ce triple CD. Tout de suite, on regarde un extrait de ton nouveau clip, ça s'appelle Ma Cousine. Ne le dis pas à ta mère, le répétera ton père. Je ne savais pas que c'était ma cousine. Un jour, je l'ai coincée dans la cuisine. Elle faisait des œufs au plat, je l'ai prise dans mes bras. M'a posé la bonne question, que fais-tu la cousine? Cousine à moi, c'est ma cousine. Y'a pas de mal à se faire. C'est Francky Vincent, le meilleur de Francky là-dedans. Ah oui. Francky. Non mais, je suis agréablement surpris parce que j'ai du succès. Hein. T'as beaucoup de succès. Oui. Francky, comment tu expliques que tu sois un mythe pour les gens? Comment tu t'es élevé au rang d'idole pour les jeunes? Je pense qu'au niveau des jeunes, c'est qu'ils voient que j'ai l'âge de leur père. Ouais. Et que je me prends pas au sérieux. On peut savoir ton âge ou c'est indiscret? J'ai 56 ans. 56 ans. Ouais. 56 ans de verge. Voilà. 56 ans. De verge. Ouais, mais les Renois, ils mentent, il a 73 ans en plus. C'est là où ils sont forts. C'est quoi ton secret d'ailleurs pour rester aussi jeune? J'arrive pas à croire que t'es 56 ans. Le secret, c'est d'entretenir la bonne humeur au quotidien. Tout le temps. Toi, t'aimes bien faire marrer. C'est très important de. Et puis d'avoir une certaine philosophie de la vie. Hein, c'est quoi ta philosophie de vie, toi? Ben, de ne pas me prendre la tête. C'est vrai que je me prends la tête pour beaucoup. Je me prenais la tête, mais avec l'âge. Sur quoi? Ben, sur mes rapports avec les femmes, déjà, les mères de mes enfants, des trucs comme ça, quoi, ouais. C'est réglé aujourd'hui? Oui, quelque peu. Combien d'enfants il a, Francky? 4 garçons. D'accord. Combien de noms reconnus? On est bien dans les 88. Mes enfants sont reconnus et je les reconnais quand je les vois. Ils sont quel âge? Le premier a 31 ans, le deuxième 27 ans, le troisième 23 ans et le dernier 7 ans. Est-ce qu'ils écoutent ta musique? Oui. Oui. Mon dernier, il a été le premier à écouter Tu veux mon zizi? Il a 7 ans. Ah, mais oui. Et puis il me dit, papa, tu vas quand même pas arracher ton zizi et le donner à une fille. Quelle naïveté! Oh, c'est super naïf. Alors, autant, moi je pense que Tu veux mon zizi devrait remplacer la Marseillaise pour hymne national. Non, hein? Oui ou non? T'imagines l'équipe de France? Tu veux mon zizi? Oui. J'en rêve de ça. Non mais où est-ce que t'as trouvé le sujet? Bon, t'as l'habitude de chanter des chansons un peu comme ça, un peu coquines, mais à quel moment tu t'es dit je vais chanter? Tu veux mon zizi? Oui. Mais c'est là. Non mais d'où ça sort? L'alcool, la drogue, le LSD? Un problème dans ton enfance? Non. Ça va pas chercher très loin, c'est juste mon grain de folie, c'est tout. Tu dis que ton style n'est ni porno ni vulgaire. C'est coquin, on va dire. C'est juste coquin. Oui. Alors cet album, alors moi je me suis fait un plaisir d'écouter cet album. Francky, t'es un mythe, je suis content de te recevoir. Il y a Fruit de la Passion. Oui. Fruit de la Passion. Ah oui, c'est une chanson... C'est une chanson exceptionnelle. J'aime bien quand tu prends la voix... J'aime bien quand tu prends la voix grave, moi. Mais écoute-moi. Si je chantais pas des chansons au-dessous de la ceinture, je serais plutôt un crooner qui chanterait des chansons sentimentales. Hein. Tu chantes genre du Sinatra Je peux, oui. Je peux chanter des chansons comme ça. Ça donne quoi? Je sais même... C'est quelle chanson que je... C'est toi qui choisis un truc de crooner? Un truc de crooner. I already come is the sun. I already understand, and so I came to play me, listen for a ride. Pretty five reason, I like to do any Russian time, you make me feel. Francky Vincent,
La classe. Bon, c'est vrai, quand je chante fesses, c'est un festival de fesses. Oui. Après, bon, voilà quoi. Est-ce que tu peux nous chanter un petit bout de Fruit de la Passion, par exemple, juste pour... Oh. Chérie, tu me donnes ta passion et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Allez, on chante! Est-ce qu'on peut lui ramener un exorcisme ou un truc? Ah, tu vis tes chansons, c'est extraordinaire. Alors, il y a plein de chansons, il y a aussi... Bon, il y a Alice Aglis. Alice Aglis. Alice Aglis, au pays des merveilles. Alice. Bravo, France. Je t'aime tellement, je te jure. Francky, je t'aime tellement, j'aurais envie de m'asseoir à côté de toi. J'en ai rien à faire. Aime-moi alors. Alors, il y a des chansons extraordinaires. Alors, un style pas porno ni vulgaire, on l'a dit, coquin. Ouais. Il y a la 10, ma banane flambée. Ouais. Ben, il y a une chanson qu'ils connaissent bien aussi, c'est Tu pues du cul, qui n'est pas mal aussi. Oui. Alors, tu pues du cul, c'est quoi? A cappella, ça donne quoi? Un petit silence, tu pues du cul, un truc un peu crooner? Quand je suis chez moi, je bouffe que des choses saines, en regardant avec Hélène quelques films obscènes. Elle me dit que l'ambiance ce soir, elle est malsaine. Je lui dis, ferme ta grande gueule, Hélène. Au supermarché, je prends tout ce qui est biologique. Je fais dans l'esthétique et dans la diététique. Elle bouffe des hamburgers, des hot dogs, des sandwichs au thon, du boudin, des acras, des merguez et du mouton. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu pues du cul. Tu pues du cul. Si tu le dis, oui. Prout, ça pue. Prout, ça pue. Prout, ça pue. Ah ouais, je fais ça. C'est... Ah oui, oui, super. Ah, il faut faire le show, hein. Il y a une Corée? Ah oui! Il a fait une Corée! Ah oui! Il y a une en Corée! En disant prout, prout! T'as 56 ans, mec! Eh oui! Ben c'est pour ça, t'es resté jeune! Eh oui! Ben oui! Non, mais il y a des chansons extraordinaires. Bon, on va surtout un peu retracer ta carrière pour savoir un peu qui tu es. On connaît tes chansons. Et donc, à quel moment t'as décidé d'en faire ton métier, justement, et de choisir ce créneau? Ben, j'ai dans choisi lequel tu es seul, d'ailleurs. Attends, au départ, je chantais des chansons sentimentales pour faire plaisir à ma mère. Ouais. Parce que je voulais pas faire fonctionnaire. Non, personne veut donc, faire fonctionnaire. Donc, il fallait que je chante, que je passe pas... Ouais, ouais, voilà, je voulais pas faire fonctionnaire. Comme beaucoup d'Antillais, je voulais pas faire ça. C'est pas méchant. Ben, jamais, on rigole. C'est pas méchant. Et puis, en animant un bal aux Antilles, un bal populaire, j'avais bu deux bières blondes et j'ai improvisé quelques mots cochons comme ça dans une chanson. D'accord. Et j'ai constaté que ça avait déclenché... Enfin, à l'époque, ça avait déclenché l'hilarité dans la salle. Ouais. Donc, fort de ça, je me suis dit, pourquoi n'emprunterais-je pas ce créneau de chanteur au-dessous de la ceinture? Et c'est là que tu as choisi. Tu t'es dit, il y a un truc à prendre. Je serais tout seul peut-être à le faire en plus. Et aujourd'hui, oui, t'es toujours le seul mœurs, à le faire. Les mœurs n'avaient pas évolué aux Antilles. Ah, c'est tabou là-bas? On pouvait parler d'église, d'accord. De sorcellerie, de plage, de zouk, de tout ce que tu veux, mais surtout pas parler de sexe. Et le zouk et le sexe, c'est quoi la différence? Sans prétention aucune. Hein? C'est quoi la différence entre le zouk et le sexe? c'est vrai qu'on dit... Il y a un djinn qui sépare, mais je sinon... Je crois qu'en en arabe, zouk, ça veut dire cul, hein? C'est ça, hein? Non? Zouk, ouais, exactement. Ah ben voilà. Ouais, est-ce que ça ne provient pas de là-bas, non? Peut-être, nous on l'a inventé, mais...
On l'a inventé, mais c'est vous qui le pratiquez. Moi, je... Nous, on a tout inventé. Et après, ça nous échappe. Mais c'est vrai en plus, oui. Alors, aux Antilles, quand même, depuis les années 80, t'es connu de toute la communauté. T'es accueilli comment quand tu vas là-bas? T'es un peu la star de... Ou pas? En Guadeloupe... Disons qu'en Guadeloupe, il y a une bonne dose de jalousie par rapport à ce qui s'est passé dans ma carrière. Surtout ouais. Le fait d'avoir eu cette chanson qui a contribué à mon succès dans l'Hexagone. Ouais. Donc évidemment, comme nous habitons une île, c'est pas toujours facile pour eux de voir un semblable réussir comme ça devant des millions de gens. Ouais. Puisqu'il faut dire que j'ai quand même été premier en Colombie pendant 4 mois, premier en Argentine pendant 2 mois avec Feu de la Passion quand même. Ah bon, t'allais chanter là-bas? Donc quand je leur dis ça là-bas, ça les choque quelque peu parce que pour eux, je n'aurais pas dû, surtout pour les Guadeloupéens, j'aurais pas dû avoir ce succès escompté. D'accord. Voilà. Les prophètes en son pays, tout à fait. Voilà, voilà. Tandis que les Martiniquais, par contre, ils m'ont adopté très vite. D'accord. Parce qu'ils sont très branchés cul en Martinique. Ouais, plus... Donc, ils se sont reconnus à travers moi, quoi. Alors que je ne suis pas Martiniquais. Non, mais j'ai compris un peu le... Voilà, voilà. Apprends-moi à parler créole. Ouais, ben si on y habitait moins du à présent, c'est qu'il faut essayer d'apprendre créole la mieux qui ça. Tu fais combien de fois l'amour par semaine? Voilà. Allez, 3 fois par jour, alors ça donne 7 fois 3. 7 fois 3, 21, ouais. Non, vraiment. Mais c'est vrai. Bon, les rebelles font l'amour 1 fois par mois, mais nous, on fait l'amour. Non, non, attends, attends. On se calme. On peut déclencher une guerre, là, les mecs. 3 fois par jour? Oui. C'est à peine si t'as réussi à descendre les marches tout seul. Et tu me dis 3 fois par jour. Sois pas jaloux. Non, mais pas 3 fois, tranquille. Sois pas jaloux. 3 fois? Il est jaloux. Mais tu commences quand? Devant Dora l'exploratrice, là? Comment on peut faire 3 fois? 3 fois, non mais ça va pas. 3 fois par an, à la rigueur. Oui. Si vraiment Théo, je veux 3 fois... Non mais alors c'est... Incroyable. Non mais je blague. Tu blagues? Oui. Combien en vrai? 3 fois par semaine. Ah. Par semaine. D'accord. Mmh. On descend, hein. Dans pas longtemps, il va dire j'ai pas Ken depuis 2003. Mais... Voilà. Bah non, pas 3 fois par jour, putain. Il y a eu donc cette fameuse compilation Fruit de la Passion, Vas-y Francky, c'est bon, Vas-y Francky, c'est bon. Oui. Ça, c'est une fille qui te l'a sessuré à l'oreille? Ah non, monsieur, je te prends au mot. Cette chanson-là, c'est parce que j'étais en train de faire l'amour avec une fille. D'accord. Non, c'est, non, pour non. La 957e on est sérieux, fois. On est sérieux, on est sérieux sur l'affaire. Non, 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 là, s'il vous plaît. Non, non, on est sérieux. Hein? Ah non, on est sérieux, là. Non, non, là, on discute. Ah oui, oui. Non, 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 ça va. Ah oui. Là, c'est le moment nous faisions l'amour. Bien sûr. Et à un certain moment, elle m'a dit, vas-y, Francky, oh, c'est bon, oh, c'est bon, oh, vas-y, vas-y, vas-y. Et là, j'ai tout laissé, j'ai pris ma... Ah non, je l'ai laissé en plan, j'ai pris la guitare, j'ai plaqué les 4 accords. Sur et qu'est-ce que j'ai trouvé? Le refrain. Vas-y, Francky. Elle t'a dit comme ça, c'est bon, ça? Oui, voilà. T'es sûr qu'elle en avait pas marre et qu'elle t'a pas dit, Francky, c'est bon? Non? Ah! Donc ça a commencé en 94 avec toi, et c'est vrai que finalement, on peut se moquer, on peut dire ce qu'on veut, c'est vrai que les enfants, les ados, les adultes t'adorent, et tu dures, ça fait longtemps que tu es là, c'est assez fascinant, et moi j'ai pas compris comment tu t'es retrouvé dans une télé-réalité. Là, j'ai dit Francky, c'est pas bon. Non, mais là... Francky, c'est moyen, quoi. Non, non, écoute-moi. L'oseille, l'oseille, les impôts. Pas seulement ça, c'est-à-dire que... Un peu aussi. Je me prends... N'oublie pas la base de l'interview, c'est que je me prends pas au sérieux. Jamais. J'avais besoin... Je venais de signer avec Universal... Bien sûr. Cette fameuse compilation. Oui. Donc, il fallait absolument que je m'expose. C'est ça. Il me fallait une exposition. Et est-ce qu'il y a des gens qui ne t'invitaient pas?
dans leurs émissions, dans... Ouais, mais il y a des gens qui ne m'invitent pas parce qu'ils me redoutent. Moi, je crois que c'est paradoxal. Non, mais c'est pas... Non, mais j'ai quand même... Vous avez constaté que je suis un bon client pour les talk shows, très pour bon. Plein de choses comme ça. Parfait. Je suis très bon client. Bien sûr. Mais je ne suis pas sollicité. Et je voudrais te remercier infiniment. Moi, ça hein. me je fait voudrais... plaisir Non, mais soit je vais me mettre... Voilà, je te mais remercie non, infiniment. Jamais, mais ça va pas. Relève-toi. Tout va bien, ça me fait plaisir. Moi, je suis très sentimental. J'ai envie de pleurer, là. Je suis pas bien. Il se fout de ma bon, gueule. Pour revenir à la question, dis-moi la question, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. C'est pourquoi est-ce que les gens ne t'invitent pas? Qu'est-ce qu'ils redoutent chez toi? Mais je pense que j'ai une réputation qui arrive bien en avant, ouais. qui ne va pas être gérable. On ne va pas pouvoir le gérer en plateau. D'accord, on a peur des débordements. Donc ce sont des animateurs qui ne sont pas comme toi. Toi, tu en as. Moi, je les autres n'en ont pas. Ah, bah, il l'a dit, hein. Souris à la vie. Moi, j'ai souri à la vie. Et donc, juste pour clôturer là-dessus, la ferme célébrité, ça a été une bonne expérience pour toi? C'est une très bonne expérience parce que retrouver des gens... évidemment, au départ, on appréhende ouais. de tomber sous des abrutis. Et après, on se dit, ah ben, c'est vrai. Et je suis tombé sous deux abrutis, oui. Qui sont? Ben, David Charvet et Greg Basso, oui. Parce qu'ils se sont laissés carrément balader par un garçon de 22 ans. J'ai trouvé ça lamentable. Qui est devenu ton des ami. Mecs, non, des mecs qui avaient 37, 38 ans se sont laissés balader par un garçon de 22 ans. Michael Vendetta, ah ben voilà. qui est devenu ton ami. Ah ben oui. Ouais. Forcément. Vous parlez de quoi? Ben, il y a une base entre nous. Il est provocateur. Ouais. Moi, je le suis. Bien sûr. À ma sauce. Ouais. Il a la sienne. Mais on s'appelle deux, trois fois par semaine. D'accord. Deux, trois fois par semaine avec Michael Vendetta. Deux, trois fois. Vous ouais. parlez de quoi? Je t'en supplie, dis-moi. On parle de sexe. Beaucoup de sexe? Oui. De quoi d'autre? De plan de carrière, peut-être? Non, on parle de beaucoup de choses où Ben, je suis son conseiller, je suis son tonton, comme on dit en France. Oui. Donc, forcément, il s'en remet à moi et il me pose beaucoup de questions par rapport à son avenir et tout ça. Parce que c'est un garçon, en fin de compte, on ne le connaît pas vraiment. Non. Je suis l'un des rares, après ses parents, à bien le cerner. D'accord, donc c'est toi qui lui donnes les conseils? Oui, oui, j'ai de précieux conseils pour lui. D'accord, donc on comprend mieux parce ce qu'il y a une belle... Parce que... Il y a une belle tendresse amicale, ça existe. D'accord. Ouais, ouais. Donc vous êtes amis, c'est pas du mytho. Ah non. Non. Non, c'est. Tu sais, moi, je sais pas, j'ai pas la langue de bois. J'ai pas ma langue dans ma poche. Il y a plein de choses comme ça. Ouais. Je la sors facilement aussi. J'adore. Il peut rebrancher un projecteur avec sa langue. Non, j'ai voulu montrer. J'ai voulu montrer que j'ai une langue. C'est quoi? Mais elle mesure combien? T'as déjà tenté des trucs avec quand t'étais tout seul ou pas? Ça veut dire oui, c'est ça le pire. Oh mon Dieu! Alors. Non mais je me suis auto. Non. Non, personne. Je me suis dire. Auto. Non, tout va bien. Donc tu es bien ami avec Michael Vendetta, c'est pas du mytho, et justement tout de suite on va jouer au mytho, pas mytho. Francky, les questions simples, des réponses rapides, il y a parfois des pièges, parfois il n'y en a pas, à toi de ouais. te concentrer, de nous prouver qu'il y en a dans ta caboche. Mmh. En Italie, afin de préserver l'image de marque des voitures de sport Ferrari, si le propriétaire d'une des voitures roule en dessous de 90 km/h, il est passible d'une amende de 250 euros. Est-ce que c'est vrai ou faux, c'est ça? Mytho, pas mytho. C'est mytho, ça. C'est mytho? Oui. Sûr? Oui. Bonne réponse de Francky, mytho. Ouais. Tu ne copies pas, hein? Non, je ne copie pas. Un homme qui avait décidé de faire du repassage pour faire plaisir à sa femme a été victime de graves brûlures. En effet, il regardait en même temps un match de boxe qui le captivait lorsque son téléphone a sonné. Il aurait confondu l'appareil avec... Un mytho, ça. Son fer à repasser. C'est mytho aussi, ça. Pas mytho? C'est mytho. C'est mytho? Ouais. Mauvaise réponse, c'est pas mytho. On continue. Un détenu brésilien qui tentait de s'évader a dû être secouru par les pompiers. En effet, il avait creusé un trou dans le mur de sa cellule, mais il serait resté coincé. Mais ça, c'est possible, je dirais... Tu dirais pas quoi? Pas mytho. Pas mytho? Ouais. Bonne réponse de Francky Vincent, ça, pas c'est mytho. Possible, ça. C'est donc... C'est au Brésil, il a réussi à faire un trou dans Ça, c'est possible, ça. Et il est rentré, il est resté bloqué, comme ça. Ouais. On a la preuve en photo, d'ailleurs. Ouais. On dirait un accouchement dégueulasse, le truc. Hein. Mesquine. Dans le système administratif suédois, on définit l'âge d'un sans-papier en fonction de sa taille. Cette méthode est critiquée par les associations de personnes de petite taille, car un nain sans-papier en Suède a obligatoirement une carte de séjour d'un enfant de 10 ans. Ça, c'est mytho, tout ça.
Ah, si c'est vrai, c'est grave. C'est mytho, ça. T'es sûr? Oui. C'est la dernière, hein, faut pas te louper. C'est mytho, ça. Non, mais tu vas me le dire, c'est mytho. Bonne réponse, c'est mytho. Quand même. Est-ce qu'il y a des moments difficiles dans ta carrière? Les moments difficiles, c'est surtout à mes débuts, oui. Ouais. Oui. Où les gens n'écoutent pas dans la salle, tu chantes et... Non, j'allais animer des balles populaires, il y avait 10 personnes dans la salle, quoi. C'est quoi la réaction la plus bizarre que tu aies eue pendant un concert de la part du public? Ben, j'ai une chanson qui s'intitule Le Lolo. Le Lolo? Le Lolo. Alors, ouais. Le Lolo, c'est pas comme en France. Lolo, c'est ça, hein? Ouais. Le Lolo, par exemple, en Martinique ou bien en Guadeloupe, c'est le Zizi. D'accord. Donc là, ça aurait pu s'appeler Tu veux mon Lolo. Donc, j'étais chanté ça, et puis un mec est monté sur scène, il s'est déshabillé, et il a sorti son Zizi et tout ça pendant que je chantais Le Lolo, c'est comme le loto, et il montrait son Zizi. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Ouais. Mais, ah oui, ça m'a choqué. Mais c'est oui. Un héros, ce mec. Il a réussi ah, à choquer Francky Vincent. Voilà. Voilà, il m'a choqué. Francky. Oui. Je sais que tu connais bien la variété française et aujourd'hui j'ai envie que tu lui rendes hommage avec cet happening de qualité, ça s'appelle Francky Vincent Cheese, la chanson française. Oui, 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 oui. Ne me pipe pas. Quand je suis pressé, tu veux essayer, alors dépêche-toi, voilà mon engin, prends-le dans ta main, il est tout tendu, est-ce que tu le sens? Vas-y, n'aie pas peur, bouge plus vite que ça, tiens, je viens déjà, Francky est à l'heure. Ne me pipe pas, ne me pipe pas, ne me pipe pas. Quel succès! Francky Vincent! 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 Francky